Good morgen, allez, Idan, les sujets aujourd'hui, le Nishmat, mon rivière Bishmol ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah ben Chanan, Rachel Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Menachot, Perikret Mishnah Bet. El Mevin, l'homme bet Azvalim, l'homme bet Ashlachin, l'homme bet Aïlan, et Mevi Kacher. Keitzadose, Narash Anarishona, Obashnia Zora, Kodem la Pesach, Shivim Yom, Vehi Osa Solet Meruba. כיצד הוא בודק? הגזבר מכניס את ידו לתוכה. עלה באהבה כפסולה עד שניפנה והיא מתליה פסולה. הפרדנו את משנה de la sorte de blé à choisir pour en faire la solette. Le partenaire apporte du homer et des shtal echem, c'est-à-dire le corban homer qu'on fait le 16 Nissan, le lendemain de Pessah avec l'orge, et les shtal echem de Atzeret de Shavuot. Le Tosot Yom Tov apporte dans notre Tosot qu'on parle en réalité de toutes les menachot. La Mishnah va m'enseigner maintenant la sorte, l'espèce précise à choisir pour apporter les menachot. Et la Mishnah me dit, El mevin lo mi bet azvalim, tu ne les apporteras pas d'un bet azvalim. Alors le mot zevel, qu'on traduit en hébreu moderne par les poubelles, en réalité c'est le fumier. C'est les engrais. Et un bet azvalim, c'est un champ qui a besoin que, sur lequel on met beaucoup d'engrais pour que les fruits poussent. Je finis les trois et puis après je vous explique les trois cas. Après on va expliquer de général, en général le problème qui se retrouve. Velomi bet ashlachim. Bet ashlachim, c'est un champ que l'on a besoin d'arroser beaucoup pour qu'il puisse faire sortir ses fruits. Il rapporte, les mefarshim, qu'on parle, c'est un champ qui a très soif. Apparemment, selon son exposition, il doit être très loin d'une de source d'eau, donc il a beaucoup de plusieurs mètres sous la terre, il est encore très sec. Donc il faut l'arroser énormément. Et aussi, velomi bet ha'ilan, et on n'apportera pas non plus du blé qui a poussé dans un bet ha'ilan, dans un lieu où il y avait des arbres plantés. Il n'y avait pas de problème de kilaïm, c'était une distance, les distances étaient requises, comme il y a toujours du maserhet, on n'a pas le droit de mélanger, on n'a pas le droit de planter du blé à proximité des arbres, ça peut poser des problèmes de kilaïm. En tout cas, là on parle qu'on a respecté les règles et tout ça, mais malgré tout, on ne pourra pas apporter du blé de là-bas. Veimevi kacher, et malgré tout, s'il a porté du blé, donc pour en faire son solette, sa semoule, de ces trois endroits-là, malgré tout, c'est kacher a posteriori. J'explique un petit peu mieux de quoi on parle, le principe est très simple. On veut que tu choisisses le meilleur pour apporter tes menachot, tes oblations de blé, ou d'orge. Le meilleur, ça implique que ça pousse de la meilleure manière, et en plus de ça, alors, il y a plusieurs manières d'interpréter, deux manières d'interpréter dans le Barthénora. Quel est le problème, par exemple, avec le Bet Azvalim, un endroit qui a besoin de beaucoup d'engrais? Une première raison qu'il y a rapportée dans le Barthénora, c'est que si tu as besoin d'engrais pour faire pousser, ça signifie que si tu vas pas mettre tes engrais, ça va mal pousser. Les fruits, ils seront pas assez riches, ils seront pas assez de qualité. De ce fait, on craint que peut-être que tu n'as pas mis la bonne quantité d'engrais cette fois-ci, tu as eu un peu la flemme. Tes employés ils n'ont pas bien éparpillé. Donc, de ce fait, la Mishnah te dit, s'il y a un champ où ça ne pousse pas naturellement parfait, eh ben n'importe pas, on ne sait jamais ce qu'il y a pu avoir, ce n'est pas un défaut de fabrication. Deuxième interprétation du Barthénora, c'est de te dire que s'il y a besoin de mettre des engrais pour que ça pousse, certes, tu vas avoir des gros fruits qui vont pousser, mais ils vont perdre leur goût, leur saveur. Donc, le blé, il va perdre sa saveur de blé de haute qualité. Et de ce fait, donc, n'apporte pas des menachot, parce qu'il faut choisir le meilleur pour apporter les menachot, a priori en tout cas. Velomi bet ashlachim, idem aussi avec une terre qui a besoin d'être beaucoup arrosée. Alors là, ça peut être de manière, on peut interpréter de deux manières, ça veut dire, soit tu vas dire, selon même le premier tirout, la première interprétation des tu vas dire peut-être que tu as mal arrosé de nouveau, ou bien tout simplement, on va pouvoir dire, c'est comme ça que ça a apporté dans le Barthénora directement cette fois-ci, un champ qui a besoin d'être beaucoup arrosé, et ben même quand tu l'as bien arrosé, ses fruits vont être plus faibles. D'accord? Troisième interdit, a priori, de ne pas apporter dans un endroit où il y a des arbres plantés. Vous savez que les racines des arbres puisent des forces dans le sol. D'accord? Ça puise des oligo-éléments et tout ça. Et de ce fait, les fruits que l'on va, le blé qu'on va planter là-bas, qu'on va vouloir faire pousser, il va être de moins bonne qualité parce que l'arbre, il pompe les forces. Ve'im hevi kacher. Malgré tout,
Tout ce que je t'ai enseigné, c'était a priori pour choisir le plus beau, mais a posteriori, et il n'y a rien qui est invalide. Donc, badaï que ce sera kasher si tu as apporté a posteriori. Maintenant, la Mishnah continue. Et j'ai eu un petit problème quand on a interprété cette Mishnah. J'ai trouvé personne qui m'explique la Mishnah dans les livres que j'avais chez moi à la maison. Je vais vous expliquer. Keitsa doase, comment doit-il le faire? Mon problème, c'est de voir comment ça se rattache avec la suite de la Mishnah, d'où il tombe. En tout cas, comment il doit faire? Et il va me donner maintenant des instructions d'agriculture, comment bien faire pousser, en me disant Nara Shana Rishona. Nara, c'est qu'il la laboure pendant la première année. Le champ, il le laboure pendant la première année. Ubashniya Zora'a Kodem la Pesach Shivim Yom. Et la deuxième année, à l'approche de Pessah, 70 jours avant Pessah, alors il va planter ses graines. Il va. Vehi osa solet meruba. Et comme ça, son champ va produire beaucoup de semoule. Une belle semoule riche et grasse. D'abord, premièrement, précision qui est apportée dans le Barthénora, là-bas, à partir de la Gemara, qu'en réalité, on parle en fait. La Mishnah vient me donne des conseils techniques comment bien faire pousser. Là, elle me dit, tu vas avoir un champ qui va te produire des beaux fruits, en petite quantité certes, mais quand on parle de combat normal, on n'a pas besoin d'une grande quantité, on a besoin de bonne qualité. Donc de ce fait, tu prends le champ, tu commences. La première année, d'abord, tu laboures tout le champ et tu le laisses tel quel. Deuxième année, tu laboures de nouveau tout le champ, mais tu plantes que la moitié. Troisième année, tu laboures tout le champ et tu plantes la deuxième moitié. Et comme ça, la terre qui se fait retourner en ne produisant ensuite qu'une fois tous les deux ans, concrètement, parce que c'est une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Sauf la première année, on a commencé à labourer une première fois. Alors ça fait que la terre, elle a plus le temps de se reposer, de se ressourcer, de se remplir de force, de ligolément, et ensuite de redonner des beaux fruits. Donc la Mishnah, elle est venue me donner des bons conseils comment faire pousser des beaux fruits, du beau blé, de bonne qualité. Bien évidemment, je ne pense pas qu'un agriculteur il va s'amuser à faire ça tout le temps, parce que il va peut-être avoir des beaux fruits, mais il va avoir une petite quantité. Mais lorsqu'on parle du korban haomer, le sarrakol au final, il faut réussir à tirer 3 séin, il en faut un peu plus pour pouvoir en tirer 3 CA. On avait appris 3, on avait appris plus haut, on ne sait plus exactement de la quantité exacte. Donc de ce fait, tu vas prendre un champ et tu n'hésites pas, ne lésine pas sur les frais. Ouais, laisse bien reposer la terre, comme ça elle va te donner des beaux fruits. Mon petit problème, il est que la Mishnah ne m'enchaîne pas, elle n'enseigne pas l'enchaînement. C'est quoi Ketsado? C'est comment il fait? C'est-à-dire quoi? Tu es en train de me donner des conseils agricoles, c'est très sympathique, mais comment ça se rattache avec la Mishnah précédente? Je me suis dit qu'il y a probablement une logique, puisque je t'ai interdit, je t'ai dit de ne pas mettre des engrais, et je t'ai dit de ne pas. C'est peut être une terre. Oui. Faut pas tellement. C'est une terre qui n'a pas besoin d'être beaucoup arrosée. Bon, essentiellement par rapport aux engrais. Donc je me suis dit, probablement, que la Mishnah vient de me dire, bon, je t'interdis de mettre des engrais, mais alors viens, je te donne des bons conseils pour, malgré tout, réussir à faire sortir du blé bien gras, bien riche, bien plein. Et donc la Mishnah, elle m'enseigne comment le faire, en disant que tu plantes que 70 jours avant Pessah. Pourquoi pas plus tôt? Je ne sais pas non plus. Ça n'a pas été précisé. Qu'est-ce que ça fait si on plantait le blé plus tôt? En général, dans le calendrier agricole, je crois qu'on ne plante pas, on n'attend pas 70 jours avant Pessah, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. À Pessah, c'est les moissons. Donc, ça commence les moissons de l'orge en tout cas. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour pousser. Je pensais que dès le début de l'hiver, on labourait, on plantait, on laissait pendant tout l'hiver reposer dans la terre. Je ne sais pas comment ça se passe concrètement. En tout cas, donc ça fait que du coup, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. C'est 70 jours, c'est restrictif, c'est nécessairement 70 jours. Peut-être c'est. Je ne sais pas. D'accord. Les méfarchines ne m'ont pas expliqué. C'est un problème un petit peu parce qu'à l'époque, c'était tellement évident tout ça. Ils vivaient tellement proche de la terre. Nous, on est devenus tellement au-dessus. On connaît le blé que sous forme de pain dans les supermarchés, donc du coup, on manque un petit peu de connaissances. D'accord? Keitsa do bodek. Maintenant, on passe maintenant, une fois qu'on a récupéré le blé, ou l'orge, si on prend du korban haomer, on l'a apporté au Beth Amikdash, on l'a réduit en farine. Maintenant, il va falloir que l'on vérifie que la semoule a atteint le niveau que l'on veut. Il faut que ce soit certes broyé, mais pas en farine très fine. Keitsa do bodek, comment va-t-il vérifier donc le gizbar, qui est responsable au Beth Amikdash, à gizbar machnis et yado letocha. Le gizbar va rentrer sa main, une fois que tu as moulu ton blé, le gizbar va rentrer sa main dedans, et il va relever sa main, il va la ressortir. Ala ba avak, s'il a fait remonter de la poussière, c'est-à-dire que la farine elle a été tellement broyée, on veut pas de la farine broyée, on veut que ce soit de la semoule un petit peu épaisse.
Alors, dans ce cas-là, si elle a fait remonter de la, du avac, donc de la poussière, c'est-à-dire que c'était réduit complètement en farine très très fine, psoula, c'est invalidé. Pour le moment, tu ne peux pas faire ton corban tel quel. Ad chez Yanifena, il n'y a rien de grave. Tu vas prendre, tu vas tamiser, tu vas faire sortir la petite farine et tu vas récupérer la semoule un peu plus épaisse et c'est ce qui nous intéresse. Et tu vas la garder à elle et tu feras ta, ton corban, ta mincha avec elle. Maintenant, la Mishnah m'enseigne Ve'im hitli a psula. Si elle a été envahie de verre, il y a eu des verres dedans, Milachon tolaim, tolaim c'est des verres, donc Ve'im hitli a, c'est qu'elle a eu des verres, psula, c'est invalidé. Là, il y a une grande difficulté. Le Barthénora a regardé, Vimit liya asolet ou achita, bon, la semoule ou le blé, psula, ça a été invalidé. Le Barthénora nous rapporte, Vehu shehit liya ruba. On parle qu'elle a été majoritairement envahie de verre. Qu'est-ce qui a été envahi de verre majoritairement? C'est-à-dire que vous prenez un paquet de farine, il faut que ce soit la majorité de verre, c'est un peu bizarre comme quantité. Le Yahya en réalité un safek dans la Gemara et le Rambam il a pris ça de manière très spéciale. J'ai regardé dans le Rambam dans Yad Chazaka, Isurim Misbehar Perik Vav Alacha, je sais plus Dalet Vav Perik Vav Alacha Yudbet, quelque chose comme ça, Yudalef plutôt. Et le alors il y a plusieurs niveaux qui ont été dit, en tout cas il y a plusieurs doutes en réalité. Qu'est-ce que ça implique précisément, à partir de quand la majorité elle a été véreuse? Soit la majorité des grains de blé ont eu un petit peu de verre dedans, d'accord? Donc vous imaginez, vous prenez dans un paquet de blé, la majorité des grains de blé ont eu même un petit point de verre. On n'a pas parlé qu'il y a une majorité de verre, c'est trop gigantesque comme quantité de verre. Mais dès qu'il y a eu maintenant une quantité de verre pareil, ou encore il y en a qui vont penser que dès qu'il y a eu même, le Rambam justement rapporte ça à la Khumra, même un grain de blé qui était majoritairement verreux. Même ça, ça s'appelle ça aussi que Hitliya Beruba. Qu'il a été véreux majoritairement, un grain de blé qui a été très rempli de verre. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha et un Gmar Khatima Tova. Il nous reste jusqu'à Sukkot, Bezrat Hashem, 3 Shiurim, le lendemain de Kippour, jeudi, vendredi, et puis après le dimanche, Bezrat Hashem. Après, on sera en vacances jusqu'après Sukkot, Bezrat Hashem. Gmar Khatima Tova à tous. Kol Tuv Selah.